Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le roman policier que je voulais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Le labyrinthe des femmes » et a été écrit par Colleen Gatel. Colleen Gatel qui s'était déjà fait connaître avec un premier roman policier que j'ai ici aussi qui s'appelait « Les suppliciés du Rhône » dans lequel elle y campait déjà les personnages principaux que l'on retrouvera dans l'histoire du labyrinthe des femmes. Nous retrouvons la même équipe d'enquêteurs experts en criminologie, à savoir Félicien Perrier, qui est étudiant en médecine, Irina Bergowski, qui est jeune journaliste, et le célèbre professeur Lacassagne, médecin légiste et grande figure historique lyonnaise. Nous sommes en 1898, à l'aube du nouveau siècle, sous la colline de la Croix-Rousse, se situe un labyrinthe de souterrains que vous connaissez peut-être. Et dans ce labyrinthe de souterrains, on découvre un amas de cadavres. S'appuyant sur les découvertes scientifiques de l'époque, l'équipe d'enquêteurs tente de résoudre l'enquête. Le professeur Lacassagne tente de faire parler les morts. De son côté, Irina, la jeune journaliste, va réussir à se faire enfermer dans le Vinatier, qui est le célèbre hôpital psychiatrique lyonnais. Si tout comme moi vous aimez les romans policiers qui vous parlent d'histoire, si tout comme moi vous avez envie de connaître les détails qui ont fait l'histoire de Lyon, alors vous pouvez lire « Le labyrinthe des femmes » de Colleen Gatel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bibliothèque de Lyon. À très bientôt sur le réseau des bibliothèques.